Il y a eu trois guerres successives. Il y a eu la guerre de libération de l'AFDEL avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Il y avait eu la guerre du RCD, il y a eu la dernière guerre avec Laurent Kunda. Et tout ça a eu l'impact sur la biodiversité dans le parc parce que les rebelles ils sont présents dans le parc plus qu'ailleurs. Et comme vous le savez, le parc est contigu aux pays voisins qui appuient les rebelles, les Rwanda et l'Ouganda. Parce que ça là, vous voyez, il y a la forêt, il y a la rivière, il y a les poissons, il y a les antilopes, il y a les buffles, ils ont de quoi manger, il y a la route, ils ont de quoi s'approvisionner. Il y a un mois que nous avons perdu le contrôle du secteur. Il y avait l'armée nationale et il y avait le rebelle du CNDP. Et nous, on a dû se replier, se retirer. C'est maintenant que nous sommes en train de réorganiser. Vous voyez même les effets de la bombe qui ont détruit les infrastructures du parc partout ici. Ce sont les bombes qui ont détruit le parc. Si elle paye comme on lui bâtit, franca franca, vous gimmez pour les vous chefferie. Alors on a le patin, mon amour, qu'on a fait commerce, la mestico, mandazi, ma vie tout gagne. Comme ça, on a qu'on a tout mis, et les terrains qu'on a gagné, on a mis, on a qu'on a volé. C'est très étonnant de voir comment est-ce que les animaux peuvent être tués de cette manière, à quelques 500 mètres du cadre de la Monique. Logo, c'est une brigade. Il va kakosa kama shakuya kufia wapi wakayacha tu pale. Kuna harufu. Ilikuwa ya kabambi.